Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. On va parler d'un tout nouveau produit qui m'a été envoyé donc par la société Césure. Allo Streaming, une webcam de luxe équipée donc de deux caméras directionnelles, d'un microphone. On va tout de suite le déballer ensemble. Alors je l'ai reçu dans un carton basique, marron. Et lorsqu'on sort, on aura donc la boîte officielle de chez Césure, une boîte noire. Allez, on l'ouvre et regardons à l'intérieur du package. Qu'est-ce qui s'y trouve? Alors, tout au fond de cette boîte, on va donc avoir notre Allo Streaming avec la petite notice tout au fond de la boîte. Et bien sûr, cette notice sera en français, une petite notice toute simple qui vous expliquera comment marche la Allo. Allez, on sort tout de suite la caméra de sa boîte. Et regardez ici, on a donc une webcam assez curieuse avec sur le haut, le câble qui va permettre de connecter celle-ci à un Mac ou à un PC sous Windows. Alors, cette webcam vient tout juste de sortir et c'est une exclusivité un peu sur Vision High Tech. Césure m'a contacté pour pouvoir vous la présenter et d'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez faire l'acquisition de ce genre de webcam. Avec le câble livré avec d'une longueur d'à peu près 2,50 m, on aura donc une webcam plug and play et vous allez pouvoir la connecter en USB-C vers USB-A. Plutôt cool, non? Regardons d'un peu plus près le design de cette Allo Streaming, cette webcam qui est vraiment très stylée, très designée, de couleur noire. Je peux vous dire qu'elle est vraiment super stylée. Les deux caméras directionnelles filmeront donc en 1080p, ce qui est vraiment pas négligeable. Et vous allez pouvoir filmer avec toutes les applications accessibles telles que Skype, YouTube, Twitch et Zoom. Vous allez donc pouvoir discuter tout simplement avec vos collaborateurs si vous faites du télétravail. Cette webcam est vraiment faite pour vous. Multidirectionnel, vous allez pouvoir la diriger dans tous les sens et vous allez pouvoir filmer en 1920 par 1080 en 30 fps, ce qui est vraiment pas mal du tout pour une webcam. Alors vous allez pouvoir la tourner dans tous les sens comme vous voyez ici sur l'image et la basculer. Un petit haut-parleur est intégré directement à la Allo et il n'y a pas de problème. Vous allez voir que côté image, c'est vraiment le top. Aucun besoin d'installer de pilote pour faire fonctionner la Allo puisque dès que vous allez la connecter à votre Mac ou à votre PC, elle sera reconnue instantanément. La Allo est équipée donc d'une double caméra qui peuvent fonctionner différemment suivant ce que vous avez besoin de faire comme travail. Ça, c'est l'un des gros plus de cette caméra, de cette webcam. La caméra supérieure tournera à 270 degrés. Côté connectique, ça va se trouver sur le pied. Le pied est rond et vous allez retrouver la connectique de type USB-C en bas. D'ailleurs, sous ce même pied, vous allez retrouver donc trois patins antidérapants pour éviter que votre Allo glisse sur votre bureau. Un microphone donc est intégré directement au Allo et un petit haut-parleur qui vous permettra d'entendre les personnes que vous aurez en streaming ou les personnes que vous aurez sur Skype. Voilà, donc vous l'avez compris, on est donc sur une caméra, une webcam vraiment multitâche avec une caméra donc qui va vous servir pour le streaming, Skype, Zoom, Teams, etc. Pour le télétravail, si vous êtes en télétravail, pour l'amusement. Vraiment, vous allez pouvoir même jouer pour streamer en même temps sur YouTube sans problème avec la Allo. Voilà pour ce petit déballage. On va maintenant passer au test de la caméra puisque c'est plug and play. Je vais la connecter sur mon Mac en USB. Voilà donc, si vous le désirez quand même, vous allez pouvoir aller télécharger sur le site Césure. Vous allez donc sur Internet et vous tapez césure.com. Une fois que vous êtes sur le site, vous vous rendez donc dans visiter lien download software. Download software. Une fois que vous êtes entré sur download software,
vous recherchez donc Halo Caméra. Et vous recherchez donc le lien Halo Caméra. On clique dessus. Et là, malgré tout, si vous le désirez, vous pouvez donc installer un logiciel qui va en fait gérer la caméra Césure Halo Streaming pour encore plus de fonctionnalités. Ça, c'est vraiment génial. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, deux possibilités de téléchargement pour Windows et pour Mac. Donc, vous avez l'application pour Windows et vous avez l'application pour Mac. Et vous téléchargez donc l'application pour votre système d'exploitation. Ici, pour moi, ça va être le Mac. Download, lien, Mac. Téléchargement commencé. Une fois le téléchargement commencé, vous n'avez plus qu'à installer le point DMG. DMG 3, download, télécharge. L'installation se fait instantanément, en quelques secondes, sans aucun problème. Vous installez l'application dans votre fichier application et vous n'avez plus qu'à accepter l'installation. Dans ces conditions, votre Mac vous propose la fenêtre d'installation de l'application. Vous n'avez plus qu'à mettre l'application sur le dossier application. Maintenant dans application. Bien sûr, on va confirmer l'ouverture de l'application. L'application Césure Halo est maintenant ouverte. On peut enregistrer l'écran. On peut donc faire pas mal de choses très intéressantes avec la caméra. Settings, button. On pourra faire du peer-to-peer, donc se filmer avec la caméra du Mac et se filmer en plus avec la caméra Halo, ce qui est vraiment sympa. Donc actuellement, vous voyez donc l'image de la Halo. En plus, vous pouvez voir, on peut filmer et tourner très rapidement l'image. Ça, c'est vraiment super cool. Tetragonal gris, estompé button. On peut, si on le désire, donc diviser l'écran en deux. Une face time HD caméra. Window, fenêtre. On pourra donc avoir l'image directement du Mac ici. Ici, vous voyez donc l'image de ma caméra, puisque si je la tourne, on voit que l'écran tourne très rapidement. Et en haut à droite, on voit bien donc ma caméra ici qui bouge et ma caméra Mac qui est complètement en haut à droite. Et ça, c'est super sympa aussi. Columns, button. Dans ces conditions, je pourrais diviser mon écran en deux. Et j'aurai donc d'un côté la caméra de mon Mac et de l'autre côté ma caméra Halo qui filme toujours. Et ça, c'est plutôt vraiment super chouette de pouvoir faire ça. Ce qui veut dire que vous pourriez par exemple parler avec quelqu'un ici sur la droite et montrer quelque chose avec la Halo que vous auriez envie de partager en même temps que vous filmez sur le côté droit. Plutôt cool, non? Et on pourra donc scinder l'écran sous forme de carré comme ici. Et on aura par exemple deux carrés. Donc en bas à droite, c'est la webcam de mon Mac. Et en haut à gauche, c'est la Halo qui filme. Énorme de pouvoir faire ce genre de partage. On peut donc se filmer tout en montrant par exemple un unboxing. Ça, c'est vraiment super cool. Alors, pour le prix, cette Halo, cette caméra de bureau est vraiment efficace avec une multitude de fonctions. Vous allez donc la trouver pour un peu moins de 80€. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. Et je vous fais tout de suite écouter le son que cette caméra sort lorsqu'on s'enregistre directement. Voilà, donc là actuellement, vous voyez les images qui sont directement filmées avec la Halo. Franchement, c'est le top. On peut donc tourner l'image comme vous avez pu voir ici sans aucun souci et la diriger comme on le désire. Et vous êtes en train d'entendre réellement le son que les interlocuteurs entendront si vous êtes par exemple avec un Zoom, si vous appelez vos collaborateurs via Skype ou via Teams. Vous pouvez donc la connecter sur vos Mac, sur vos Windows sans problème avec ce logiciel que vous pouvez rajouter en allant le télécharger directement sur le site Césure.
Dites-moi ce que vous en pensez, question son, question image pour ceux qui voient encore un peu ou pour ceux qui arriveront sur cette vidéo et qui voient correctement. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir votre avis. Et surtout, donnez-moi des idées de vidéos, donnez-moi des idées pour continuer ensemble à produire encore un meilleur contenu. Vous aurez donc tous les liens en description. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas, mettez un petit j'aime sous cette vidéo, ça encourage vraiment l'algorithme de YouTube à mettre en avant les vidéos de la chaîne. Merci à vous si vous le faites. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, je vous réponds. Je réponds à tous les commentaires, quoi qu'il arrive. Allez, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision High Tech. Salut à tous les amis. Et vous voyez, l'image est vraiment super cool. On peut faire pas mal d'effets. Ça peut être vraiment super sympa. Allez, à plus dans le bus.